Est-ce que vous avez juste un petit mot à lancer à l'endroit de tous les leaders politiques? Écoutez, merci beaucoup. Il faut dire que tout d'abord, cela me réjouit à plus d'un titre de savoir et de vivre que dans l'harmonie, dans l'entente et dans la sérénité, que les filles et fils du Fouta, les Hal Poulard de la Guinée, en tout cas qu'ils soient établis en Guinée ou partout dans le monde, se retrouvent dans la convivialité pour, après le décès de Elhadj Ousmane Sallwa Baldé, paix à son âme, investir de façon officielle et solennelle le nouveau président Elhadj Alseni Barry, qui a toutes les qualités requises pour présider aux destinées de cette grande association communautaire. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de lui concrètement? Écoutez, ce qu'on attend de lui, nous le voyons déjà à l'œuvre par rapport à ses attentes, c'est de renforcer la cohésion et l'unité entre les filles et fils de Fouta, c'est de promouvoir et d'entretenir le dialogue social entre les filles et fils de Fouta, mais au-delà de ça également, c'est de travailler à renforcer la cohésion et l'unité nationale entre toutes les filles et fils de la Guinée, mais aussi œuvrer pour le développement socio-économique de la Guinée de façon générale et du Fouta de façon singulière.